Oh, un hélico. Alors, Sabal, où est-ce que tu te trouves? Ça doit pas être bien compliqué à piloter, ça. Ouh! Sabal, SSS, où te caches-tu, mon ami? Il a l'air d'être loin. Je vais me faire repérer, mais quelque chose de ouf. En douceur. En douceur. En douceur. On va tenter de le faire en douceur, là, voilà. Bombe tranquille, peinard, voilà. Voilà! Atterrissage parfait, mais mon dieu, j'étais près du bord. Alors, ça balle. Oh, c'est quoi ça? Retirer. Hop là, propagande détruite. Tantantant! Bon, t'as changé d'endroit, toi, entre deux. Comment ça se fait? Attends, je vais prendre des munes d'abord. Maintenant, je suis plein. Pardon. Sabal. Tu me fais la gueule? Alors, ça valait vraiment le coup, ces renseignements. Est-ce que tu les as lus au moins? Parce que moi, j'ai une autre info pour toi. Et c'est du solide. 9 de mes hommes sont morts. 9 braves à cause de toi. Vous me mettez dans une position difficile. Le bon choix était évident. C'est ce que ton père aurait fait. C'est ça le sentier d'or. C'est la direction qu'on prenait avant qu'il meure et que tout se casse la gueule. Mais Amita, on n'a rien à foutre. Elle fait passer ses objectifs avant tout. Elle est manipulatrice, elle triche et elle sacrifie toujours des vies. C'est pour ça que je suis chef. Je le suis devenu. Parce que je connaissais ton père. Et que je respectais sa vision. Tu dois comprendre ce qui l'animait. Ce qui nous motive. Va au monastère. Tu dois aller t'éduquer, Edge. Oh. En même temps, vous vous disputiez comme des chiffonniers. Je voudrais pas dire, mais... Sérieux! Arracher les affiches de propagande de Paganmin avec joie. Ah. Tiens, il faudrait que j'aille... Je vais m'occuper du clocher en premier. Et je vais y aller avec mon fidèle compagnon, l'hélicoptère. Allez Henri, décolle. Ici Tonton Pagan pour un petit message à mon neveu. Mais qu'est-ce que... Alors dis-moi Jay, comment ça se passe l'intégration jusqu'ici? Es-tu tombé dans le piège sucré de la belle Amita? Ou as-tu craqué pour les boucles brunes et la mâchoire virile de Sabal? Chacun ses goûts, hein, tu es libre de choisir. En ce qui me concerne, et contrairement à ce qu'on pourrait déduire de mes costumes, j'ai choisi l'autre camp. Toi, plus que n'importe qui. Tu devrais savoir qu'il n'y a jamais eu qu'une seule femme dans ma vie, mon garçon. Il est complètement barré. Il est complètement dingue. Je rêve ou le mec il s'est fait bouffer par un guépard. Par une hyène? Oh! Oh espèce de...
Qu'est-ce que c'était que ce truc? Doll? Est-ce que c'est un doll? Attendez, du coup, moi, je dois monter où? Là. Ça fait mal, ce truc, eh. Ah. Hop. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelque chose là-haut. Ah, là. Il y en a qui sont pas évidents à voir. Hey ! Alors, ensuite, ensuite. Que suite ? Oups. Oh non, encore un aigle. Ce message est adressé au Sentinel. Pourquoi vous obstinez à poursuivre cette lutte inutile? Ne voyez-vous donc pas que vos actions coûtent des vies? Mettons fin au massacre. Il suffit simplement en vous rendre. Vous êtes tous des malades. Il parle. Il me fait peur, l'aigle là-bas. J'ai pas envie qu'il me bouffe le bras comme l'autre tout à l'heure. Et j'aime pas tuer les aigles. Waouh, elle a un gros problème, la cloche. J'aime pas tuer les aigles, c'est mon animal préféré. Voilà. Donc je pense que maintenant là ça va aller un peu mieux au niveau de la carte. Une affiche à arracher, des mecs à tuer. D'autres mecs à tuer, des otages à libérer. Un tigre. Ah, comment dire? Au secours. Hello, collègue. Atal, tu devrais être parti depuis 10 minutes. Waouh, dis donc, quelle autorité. Ah, il en faut deux. Flûte. Non. Hop. Du coup, mon objectif il se trouve derrière. Mais on y voit que dalle avec ce brouillard. Merci. Ok, du coup, mince, mon hélicoptère est resté au pied du clocher. C'est pas grave. Je trouvais ça plus rapide comme moyen de locomotion. Salut. Hello. Ah, le fils du grand Mohan. Sabal me dit que tu es prêt à apprendre ce qui a inspiré ton père. Panachour, dieu des dieux, a créé le monde en chantant. Pour cela, nous le remercions. Nous remercions les dieux de nous avoir donné vie. Je t'en prie, prends donc un panier à offrande. Ok. Que dois-je faire? Hey Jay, namasté.
Le cierge est là pour nous rappeler que pour grandir, il faut la volonté de dépasser ses limites habituelles. D'accord. Intéressant. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à savoir là par ici? Qu'est-ce qui se passe là? Là, qu'est-ce que les c'est? Les dieux nous bénissent de leur sagesse. Nous la recueillons dans le moulin à prière pour purifier des mauvaises pensées. Or, la vie sans émotion n'est pas la vie. Mais une vie guidée par l'émotion peut nous consumer. Wow. Fragile et éphémère qu'une volute de fumée odorante. L'encens représente la mortalité. D'accord. Retourner auprès de Rajou. C'est très intéressant tout ce qu'il nous dit là. Les infos que t'as trouvées. La carte. C'est le monastère. L'armée va attaquer ta position d'une minute à l'autre. Oh mince. Restez à l'intérieur. L'armée a lancé une attaque. Zut! Non, ils vont pas attaquer un monastère quand même. Aïe! Quoi? Je me fais grammer par une torche. Où est-ce que je dois le poser, là? J'ai un joystick qui est bloqué. Oh là là. Hop là. Et on va aller chercher de quoi s'armer. Je suis pas sûr qu'on en a. Magnifique! Oh là là, quel bazar! Ils ont bien cramé là-bas. Ils en ont après la cage d'armes. Hey! Oh là 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 là. Ils attaquent les statues sacrées. C'est chaud ce truc. Allez!
vont attaquer un deuxième endroit, voilà. Oh non! Impossible, on peut pas vous aider. Bah alors! Allez où comme ça toi? Hein? Toi aussi? Non? Putain. Hey Jay, je t'en supplie, arrête. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre de ces bugs à répétition, c'est chiant. Ew. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je te jette des pierres. Oh non. Mais ah. Le portable, ça attendra. Oh mon dieu. Non mais AJ. Aïe. Rien à foutre. Hein? Ah, oh, d'accord. C'est fini. Wow, c'est chaud. Il y a des traces de sang partout. Lui, il a un gros malaise. C'est terminé. T'es en train de prier. Tu nous as sauvés. Tu es bien le fils de ton père, Edje. Merci, Edje. Merci. Oh, une bonne chose de faite. Oh. Alors. Ah, les points de compétence, enfin, je les vois. Je les cherchais sur l'écran, je ne les voyais pas. Alors, de ce côté-là, je peux prendre quoi? Exécution. Ça, je prends. Bon. Eh ben... Terminer les événements, blablabla... Ok. Amita, le monastère est sauvé. J'espère que maintenant, Sabal comprendra l'importance du renseignement.